Bon, ce qui m'agace chez Yasha, c'est sa bonne santé. Qui dirait un violoncelliste, on dirait un joueur de rugby. Oh, Madame Guérardi, vous êtes là aussi. Madame Guérardi, violoniste. Monsieur et Madame Steg, mes parents, Mishka Mazelski, mon oncle. Alors, vous êtes ici. À votre santé. À vous surtout, et à ce soir, malgré tout. Mais t'es complètement dingue. Ah oui, complètement. J'adore tes petits pieds, c'est toi. Demande pardon, je te casse la violence sur la tête. C'est un con ton violonneux, ces gens connus sont une arrogance. Oui, très laid, non? C'est bon pour un homme. Les femmes aiment les laits, c'est connu. Lulu de feu, qui peut croire qu'Evian les bains recèle pareil tempérament. Olga! Tu peux me laisser manger 2 secondes? Je suis trop loin sur cette souche. Mets-toi dans l'herbe. Non, je suis isolé ici. Agréable. Isolé des bêtes. Descendu normalement, sauf nous. De quoi on a l'air devant Lulu? Je croyais que c'était automatique. Qu'est-ce que vous faites? Ça marche pas. Je hais les pique-niques. S'il y a une chose au monde que je hais, ce sont les pique-niques. L'air épuisé. Tu devrais manger un petit truc. Non, il faut absolument éviter l'anarchie alimentaire. Mon corps ne doit recevoir qu'une seule information et cette semaine, le message, c'est yaourt. On est déjà au 11e depuis ce matin, tu vas pas tenir. Il le faut. Montalembert le dit à toutes les pages de son bouquin. Courage. Pour bien faire, il faudrait l'écrire partout. Ma parole, elle est devenue complètement frappadingue. J'ai faim, le 7 novembre. Si c'est les maigres qui branchent Barnabé, maintenant laisse tomber, hein, trouve-en un qui joue dans ta catégorie. Jamais je lui laisserai Barnabé. Jamais, tu m'entends? Même si je dois y laisser ma santé, je le récupérerai, c'est l'homme de ma vie. Toute habillée avec son scooter, elle fait 45 kilos. Avec une taille comme un rond de serviette. La vie est injuste. T'as pas un petit truc à grignoter? J'ai pas eu le temps de prendre mon petit déj avec tout ça. Si, je dois avoir des yaourts. Pour Georges, la vie est belle. Ça va, princesse? Sa maîtresse ne sait pas qu'il est marié. Georges! À l'instant. Sa femme ne sait pas qu'il a une maîtresse. Allô? Tu me surprends au milieu d'une réunion avec mes Allemands, là. Le fiancé de la maîtresse ne sait même pas que Georges existe. If he's the lover, I'm gonna kill this guy! Pour lui sauver la vie... Allô? Georges, je sens que j'ai envie de tout raconter à ta femme. Il faudra qu'il rencontre un super-héros. Maurice Lapin. Ma maîtresse va débarquer d'une minute à l'autre. Vous, vous allez vous faire passer pour mon épouse. Il faudra un vrai miracle. Il nous faudra une robe pour monsieur. Il faudra Maurice. Qu'est-ce que vous en pensez? Pauvre malade. T'as pas entendu brûler une tronçonneuse là? Oui. Georges! Oui, je sais, ça paraît bizarre comme ça, mais ma femme est un monstre. Ah! C'est sûr que c'est pas Sharon Stone, c'est ma femme. Maurice, Marion. Tu es là? C'est donc bien. Oui, chérie. Putain! Je vais les tuer. Tu tapinais! Oh! Madame, votre mari vous trompe. Mais princesse! Tais-toi, espèce de petit gigolo. Calme-toi, chérie. Ah, m'appelez pas chérie, hein, vous êtes pas ma femme! Si, je suis votre femme. Quand ça devient chaud bouillant pour toi. Panique pas. Regardez ce que j'ai trouvé dans les affaires de Barion. Pour vous réveiller, Cendrillon, là, faut reprendre contact avec votre partie masculine. Oh là 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 là, la boulette! Sois toi-même. Je suis la sœur de Marion. Oui, c'est ma sœur! Ah, d'accord. Sois cool. Putain!
Ah non, non, non. Beware, beware. Josh, qu'est-ce que tu fais dans cette robe? Elle est mi-saison. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on couche ? Non. Ben vous devriez. Parce qu'on nous raconte beaucoup d'histoires, qu'on va découvrir des choses magnifiques. Je suis engagé dans un procès extrêmement difficile. Et franchement incompatible avec une disponibilité érotique. Mais qu'est-ce que tu racontes ? La plupart du temps, c'est assez décevant. Mais quand même, ça fait partie de la vie. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je bosse. C'est la première fois que vous avez un procès à Monaco ? Oui. Bienvenue sur le Rocher, alors. Merci. Au revoir, monsieur. Elle est marrante. C'est une fille d'ici. Typique. Typique? Mais pourquoi typique? Vous avez une histoire avec elle? Si on veut. Eh, vous m'avez complètement fière. Vous avez une présence quand vous plaidoyez, mais c'est hallucinant, quoi. Plaider. Sur la plage abandonnée. Vous venez? Coquillages et crustacés. C'est que moi, j'aime pas du tout l'eau. Ça vous paraît pas possible, vous et moi? Vous vous intéressez pas à elle, quand même. Ça vous pose un problème? Non. Y a pas de problème. Si vous saviez ce qu'elle m'a fait, si vous saviez ce qu'elle a inventé toute la nuit, ce corps cambré, sans pudeur, sans limite. Vous allez juste dire un coup, maître. Exactement. C'est marrant, c'est toujours les mecs un peu coincés qui sont les meilleurs coups, finalement. C'est une sorcière, hein, au sens moderne du terme. Tu sais qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore essayé? Elle a une sexualité abyssale. Normal, c'est une pute. Non, ça, c'est un peu excessif. Eh ben, vous baladez comme ça encore longtemps? Je vous rappelle que vous êtes payé pour faire les 100 pas devant ma porte. Ouais, ouais. Si j'avais besoin de la garde du corps pour gérer ma vie, je le saurais. Allez, vas-y, saute! Je vous aurais pas venu. Allez, vas-y. Elle est là, elle m'envahit, elle m'obsède. Je veux plus que tu l'approches. Moi, cette chance-là, je la laisse pas passer. Vous étiez censé me protéger. Regardez le résultat. Faites quelque chose. Je veux plus la voir, qu'elle disparaisse.